Article 1. Les baignades sont interdites sur le territoire de la commune de Nevers, dans tous les cours d'eau. Loire, Nièvre, rivière, ruisseau, canaux, port de la Jonction, etc. Article 2. Les panneaux matérialisant cette interdiction seront mis en place par les services municipaux. Je suis très émue parce que mon père a appris à nager dans le canal et m'a toujours dit, c'est fou, mon père m'a dit, mais je t'apprendrai à nager dans le canal. Alors, mais je me dis, c'est plus possible parce que je veux apprendre dans la belle piscine, parce que pour moi, la piscine de la Jonction, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que quand j'étais petite, on allait à la plage de Fourchambault. Si tu veux, la plage de Fourchambault, ça nous paraissait quelque chose de moche par rapport toute à cette piscine qui tout était ce parcours fidèle, tu qui vois, était à l'époque, magnifique qui était quand même des pour aller montagnes, à la piscine de la Jonction. Il y Et avait arrivé ce grand là-bas, il bassin y de 50 avait mètres qui nous tous faisait ces peur, bassins parce que l'eau qui était étaient un peu plus en verte que les les uns autres derrière les bassins, autres, comme ça. Et les autres moi, je me bassins disais, ça étaient doit se très gagner très bleus et d'aller tu avais l'impression d'être au au bord de dernier la bassin. mer. Alors C'était c'était des jeunes, quoi, merveilleux. des gens beaucoup plus âgés. Et nous, on avait droit au deuxième bassin parce que le petit était pataugeoire. Donc le deuxième bassin, ben, c'était pour les enfants de Puis mon alors âge on qui ne partait, savaient c'était pas nager. l'expédition, on partait en train de Fourchambault, donc le matin, le premier train, et puis on revenait avec le dernier train. Alors on partait toute la Je me rappelle journée, que on j'avais pique-niquait sur les mon bassins, non, enfin passage on chez les plus pique-niquait au bord grands. de la Voilà. piscine. C'était comme Et un pour moi parcours initiatique pour c'était la devenir adulte, en liberté, fait. quoi, totale. Si j'y Et puis pense c'était maintenant que j'ai l'été, commencé à aller à la c'était piscine de la Jonction quand l'été, j'avais 10 ans. Je me sentais Pendant grande. l'été, C'était on y mon allait quasiment tous aussi les le jours. rêve de la mer, Et parce qu'après, je c'était partais une en grande piscine piscine découverte découverte jusqu'à de la la mer, piscine. donc la C'était un Jonction. envol Voyez de toujours tous nature nos qu'on amis. prenait J'y en traversant croyais, le pont, j'y croyais toute la la nuit vue à la sur la Jonction, Loire, puis après, arriver voilà, après à ce site j'y de allais la souvent au Jonction, mois on d'août pouvait parce nager à que pied, je partais au mois de juillet en vacances. Et au mois d'août, je retrouvais des copines à la Jonction et c'était bien parce que comme ça, on était Et ne plus dehors, pouvoir avoir on n'était pas accès enfermé au à ce cinéma lieu ou au cinéma, imaginaire car où j'ai écrit nager Podium, où dehors j'ai écrit deux de en mes toute livres, sécurité me paraît puisque l'eau quelque était chose claire, il y avait des d'absolument maîtres nageurs traumatisant. qui pouvaient laisser Pour moi, leurs la enfants piscine jouer qui va fermer, en c'est prenant une page nous aussi les mamans qui se à la piste tourne du repos finalement pour se retrouver, c'était pour assez discuter, qui pour se tourne célébrer les vacances. En fait, cette fermeture, je la vis très mal parce que c'est beaucoup d'émotions parce on n'a pas que tellement, il y ayant a de plein petits de moyens, nous n'avons souvenirs. pas accès à beaucoup de loisirs. Donc C'est après, finalement, la piscine de la Jonction toute l'adolescence qui donc, ressort en la fait. Piscine de la Jonction, c'est pour moi toute ma vie sur Nevers, puisque je l'ai toujours connue, j'y suis toujours allé. Il y a des périodes de ma vie où j'y suis allé moins que d'autres. J'ai donc des souvenirs qui sont attachés à cet endroit. Ceux qui me reviennent tout de suite, il n'y a pas grand chose à faire à Nevers. Et donc, la piscine de la Jonction s'imposait tout de suite à nous. Plus tard, quand j'ai été adulte, j'ai également des souvenirs, puisque j'y ai emmené mes enfants, qui, à leur tour, ont profité des joies moins rapide de la pour les plus jeunes. Donc, ça, c'était pratique, parce que les plus jeunes, ils ont toujours envie de monter sur le toboggan. Qui se tourne il y avait un toboggan un peu plus rapide de cette pour piscine, et ceux qui aimaient ça laisse les sensations beaucoup fortes, d'amertume. Donc c'était bien, parce que moi j'aimais bien y aller, soit sur l'un, soit sur l'autre. Il y en avait un qui avait plus de virages, il y en avait un qui en avait des plus arrondis, et des plus serrés. Dernières années, donc c'était bien. Accompagner les filles, les glissades. Le parcours était le 13e de ligne, était la gare, était la porte du Crou. Nous passions toujours par les jardins de la porte du Crou et nous arrivions en bord de Loire. Et là, tout à coup, nous avions devant avec nous nos amis, la Loire, nous nous donnions rendez-vous pont, à l'entrée du pont de Loire. La frontière avec, et puis, nous avec cheminions, oui, nous traversions dans le Loire. Nous retrouvions aussi le vent de l'aventure, de passer le soir avec mon épouse, en pont, garder la Mossée. C'est magnifique de l'autre côté de celui-ci. Quand nous nous, nous étions toujours pont, étonnés, ébahis chaleur, et émerveillés par cette vue magnifique le site, qui était, par les, qui le front de ville qui la Loire, s'élevait devant puis, nos yeux puis, bah, avec ses et toits nous et ses clochers le pont, pointus. Alors, c'était on juste le pont Loire avant d'ouverture où on se positionnait sur le pont, là, on voyait ces bassins en enfilade.
On voit la Loire sur la gauche, la taille des végétaux, les bassins, les bassins nettoyés. Et nous entendions au loin les premiers cris, le fleurissement. Cette piscine de la jonction, c'est quand même un lieu magique, très très original. Probablement pour la région, souvent on s'arrêtait quelques instants, on regardait les premiers signes de la que c'était vraiment un plaisir, c'était assez, c'était quelque chose d'indéfinissable, je crois. Aller à la piscine de la jonction, c'était donc c'était une exception, c'était vraiment le cadeau de l'été qui arrivait trois fois dans l'été, quatre fois en fonction du temps. J'ai du mal à parler encore de cette piscine au passé parce que pour moi elle est tellement ancrée dans ma vie. Alors la chronologie, tout le monde la connaît à peu près. Au mois de février, en conseil municipal, on promet publiquement qu'il y aura un jour un débat sur l'éventuelle fermeture de la piscine. Et au mois de mars, le sénateur-maire annonce directement par voie de presse, sans que le conseil municipal ait été davantage consulté, la non-réouverture de la piscine de la Jonction pour l'été 2009. Pour un habitant de Nevers, pour un touriste aussi, traverser le pont de Loire, c'est un véritable plaisir avec la vue sur la nature, sur l'eau, les oiseaux, les îles, etc. D'autre part, après, on continue par le chemin qui, l'ancienne digue, enfin l'actuelle digue d'ailleurs, qui longe le camping, et on arrive sur un site absolument merveilleux qui est l'ancienne écluse avec le chemin qui continue vers le peuplier seul, et là c'est la pleine nature. Il s'agit vraiment d'un parcours nature qui est à la limite aussi important, aussi valorisant, ou qui n'est pas encore valorisé, que le sentier du Vert-Vert, qui est de l'autre côté, certes, sur l'autre rive, mais qui amène à des visions sur la ville, sur les quartiers des bords de Loire, qui est complètement différent. D'autre part, si on poursuit le long du canal, on a en tant que piéton, en tant que sportif, on a des visions de ces alignements d'arbres qui sont vraiment très très particuliers jusqu'au raccordement avec le canal. Et c'est vrai que la jonction, comme son nom l'indique, est vraiment le lieu ou le lien entre nature et ville. Je pense que c'est le trait d'union. Le trait d'union, ça se passe ici, et que tout ce quartier a besoin, aura besoin dans les mois, les années qui viennent, d'être repensé, d'être requalifié. Aujourd'hui, il est un peu oublié, un peu laissé, comme si il n'était pas intégré à la ville. Il est vraiment en dehors de la ville, ce qui fait sa caractéristique, ce qui fait sa valeur, ce qui fait aussi la difficulté d'y habiter pour certains, puisque en effet c'est pas aussi valorisé que le centre-ville. C'est un coup de crayon sur l'histoire, c'est un coup de crayon, enfin c'est même pas un coup de crayon, c'est un coup de canif, hein, carrément. C'est un déchirement en quelque sorte. On va rayer de la vision, de l'utilisation et surtout de la mémoire des gens, enfin en partie, un lieu qui a fait vivre Nevers depuis des générations. Et en vérité, c'est une absurdité. L'intelligence du site vient de la piscine en elle-même qui a été réalisée sur l'emplacement d'une ancienne écluse. Le souvenir du canal de la Jonction remonte à 1954 où j'ai appris à nager dans un bassin en bois qui était aménagé le long de la berge du canal. C'était un faux plancher bordé de pontons. Elle consistait simplement... On a une portion du canal, du bief, qui était très vaguement... C'était les tritons ou les dauphins, je ne vois plus, à l'époque. C'est là que j'ai appris à nager dans le canal, parce qu'il n'y a pas de piscine. Un vague plongeoir, un toboggan et quelques équipements assez rustiques.
Mais c'est là que j'ai appris à nager. Véritablement, c'est pas la piscine que j'ai appris à nager, c'est dans le port. Les Tritons et les Dauphins, qui étaient très très performants sur le plan sportif. Donc cet aménagement. Et ma grand-mère prenait les vêtements, les mettait sur un cintre, et puis donnait un petit jeton au baigneur qu'il accrochait au maillot de bain pour venir chercher ses affaires. Et finalement, mon oncle, lui, il était à l'entrée. Ça donnait les signes de quartier de Saint-Jonction, puis c'est devenu la Jonction. Il tirait énormément de population. Il était là dans sa guérite, en donnant le droit d'entrée. Des fréquentations de 400-500 personnes, des matchs de water-polo, des... puisque le bassin de 50 mètres était éclairé. Hein, et permettait. Parce que nous, on allait se baigner pour se baigner. On faisait 25-50 mètres, on plongeait. C'était le premier nageur en Bourgogne. Qu'on n'a plus le droit de faire maintenant. Qui est nagé en papillon dauphin. Les plongeoires. Hein. Plongeoires du Samet. La piscine, là, j'ai sauté les plongeoires du Samet. Ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque, étant petite. Dans une configuration. Je suis devenue maître nageur dans les années 80, donc j'ai surveillé les terres. C'est à peu près la même configuration qu'actuellement. Hein. Sauf que. C'était un peu le jardin puisqu'à l'origine, aucun des bassins de la piscine de la Jonction n'était chauffé. Le premier bassin qui a été chauffé était le bassin de 25 mètres. Ça le bassin de 50 mètres a disparu, et ça c'était un gros choc. D'abord parce qu'il n'y avait plus de bassin de 50 mètres sur la région, il fallait aller très loin. Au début des années 1960, à l'école, on ne pouvait plus s'entraîner dehors. Nous ne connaissions pas les filles de la Jonction à l'époque. Dans les cours de récréation, le seul endroit pour les rencontrer, c'était les cafés, c'était la rue, c'était la piscine, endroit privilégié. Un des tout premiers équipements français, de par sa surface et son volume d'eau, sociale, je dirais, modeste. Hein. Et c'est lycée à Neuvaille, c'était notre moment de vacances. Tout le monde venait autour de la piscine à vagues pour surveiller, formidable. Parce que c'était assez dangereux, surtout avec les bords qui étaient en pente. Et je trouvais ça génial, parce qu'il y avait un monde fou. Le projet Colbert consiste à regrouper deux centres commerciaux, deux supermarchés qui se trouvent actuellement dans le centre-ville, et à créer un hypermarché à l'intérieur du parc de l'ancien hôpital, qui est un parc 17e. Et donc nous allons créer ici une très large surface commerciale avec un grand parking. Le projet piscine va se greffer dans cet ensemble qui est essentiellement à vocation commerciale ou à vocation de bureau, puisqu'il y aura également des bureaux à l'intérieur de l'ancien hôpital. Donc vous voyez que cette piscine va se retrouver dans un ensemble qui est complètement différent du paysage de la piscine de la Jonction. Donc l'idée pourrait être effectivement, au lieu de créer de toutes parts et de toutes pièces ce type d'établissement, de réutiliser, ce qui serait précisément en cohérence avec la notion affichée de développement durable, de réutiliser au maximum cette installation et d'en couvrir tout ou partie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a quelque chose qui doit représenter 5 ou 6 000 mètres carrés au sol. On n'est pas obligé de couvrir 5 ou 6 000 mètres carrés. On n'est pas obligé de couvrir le grand bassin d'été, qui justement est attractif parce qu'il est découvert, mais on pourrait donner à cet espace les deux bassins les plus limités, en les couvrant, en les reliant peut-être avec le bâtiment du parc de la DDE dont il s'agirait de négocier l'acquisition éventuellement ou d'avoir un bail emphytéotique, créer des véritables installations qui réutilisent au maximum ce qui existe. Ah, les concours de pêche, ah bah oui, la Corsi, oui. Alors, le défilé partait de Pascardoune avec la fanfare en tête, je me souviens très bien. Il y avait encore des gens plasmossés, la queue du cortège était plasmossée, il y avait déjà des gens à la Jonction. Il y avait un kilomètre à peu près de défilé, tout le port et jusqu'à la première écluse et même au-delà. C'était noir de monde. Afin de faire oublier la fermeture de la Jonction, la municipalité de Nevers rafistole à la hâte la piscine des bords de Loire. Ah oui, parce que quand même, une piscine fermée, c'est déjà plus... On sent mal. Tandis que là-bas, on était quand même à l'air. La piscine à vagues, c'était plus grand. Hein.
qu'ici au bord de Loire, il n'y a que deux bassins, il n'y a rien. Quand c'était là, on aimait beaucoup quand les jeunes se mettaient dans le toboggan qui retombait dans la piscine, et puis quand il y avait les, surtout quand elle était à ouais, vague. Ça fait de la peine quand même. Ça, c'était magnifique. Parce que c'est bien, parce qu'elle est grande et tout, il y a des toboggans. La piscine au bord de Loire, il n'y a pas de toboggan. La piscine de Loire, il y en a un, mais ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, quoi, juste à côté, c'est... C'est magnifique, ce qu'on ne connaît pas en ville, c'est le béton, c'est, moi, ce et puis c'est une piscine bien, découverte, c'était un ça qui était important la cigarette, pour nous. Ou sinon, vers la petite buvette. Bah, la jonction, c'était bien, parce qu'on se trouvait souvent entre potes, là-bas, là, midi, quand il faisait chaud. Puis on allait, bon, on se baignait, on gérait des filles. Déclaration universelle des vacances de qualité. En Nièvre, chacun a le droit de préserver la qualité de ses vacances. Article 1. Je fréquente des lieux que les habitants ont le souci de préserver. Article 3. J'apprécie le talent partout où il s'exprime. Ainsi, 63 000 euros sont investis dans la rénovation des casiers. Les cabines de vestiaire sont enfin remplacées. L'espace extérieur agrandi est transformé en plage de sable. La pataugeoire pour les petits est baptisé espace paysager. Sans doute, la ville de Nevers excelle-t-elle dans l'art d'aménager des espaces paysagers, des objets paysagers, partout où cela semble effectivement indispensable. On imagine très très bien, pourquoi pas, le centre aquatique de la Jonction, revalorisé, requalifié, avec, bien entendu, par rapport au problème de météo, qui n'est pas toujours bonne durant l'été à Nevers, d'avoir en effet une grande verrière au-dessus, un grand toit plat, un toit qui transparent avec des capteurs photovoltaïques dessus qui permettent de gérer des pompes, des jets d'eau, des brumisateurs, et que tout ce parc d'eau puisse être donc régulé d'une façon alternative, si je puis dire, avec des énergies douces que sont le solaire, le vent, etc., pour pouvoir jouer au sens propre du terme, avec l'eau dans toutes ses formes. Et d'un seul coup, c'est vrai que le quartier, d'une part industriel, pourrait être requalifié par quelques aménagements paysagers, des arbres, des espaces verts, etc., camoufler un tant soit peu les véhicules, que d'autre part, la piscine puisse être qualifiée dans son usage par en effet quelques plages complémentaires qui viendraient accompagner les bassins. Article 3. Tout contrevenant aux dispositions précitées sera passible de procès-verbaux. Inciter les jeunes, les adolescents à profiter effectivement du sable, à venir jouer sur le sable, c'est en même temps un petit peu dangereux dans la mesure où il y a quand même l'eau juste à côté. Quand il fait 35 ou 40 degrés, très naturellement, on aurait tendance à y aller. Donc il y a un petit peu ce danger qui n'existait pas dès lors qu'on pouvait aller à la piscine de la Jonction. Cette interdiction court tous les jours de l'année et bien entendu pendant la tenue d'un air de Loire ou Nevers plage, bien entendu. Donc le Conseil des Sages s'est retrouvé informé de la fermeture de la piscine de la Jonction au même titre que les autres citoyens de Nevers, c'est-à-dire qu'on l'a découvert dans la presse. Nous n'avons eu aucune communication de la part de la municipalité ou du maire. Nous avons découvert le matin en ouvrant le journal que la décision a été prise et que, sous-entendu, c'était définitif. Comment une ville comme Nevers va pouvoir absorber ce projet de piscine de 20 millions d'euros au sein de ce parc Colbert ? Nous pourrions en fait tomber dans un arrangement avec un partenaire privé qui serait lui détenteur de la piscine et qui nous la louerait. À ce jour, la piscine de la Jonction offrait des entrées à un prix qui était parfaitement cohérent avec le niveau de revenu moyen de la population. Donc sur la Nièvre, il y a d'autres villes qui sont en train de se poser le problème de la récupération ou de la réutilisation de leur piscine, entre autres sur Decize, où le projet qui a été finalement adopté par la mairie consiste à refaire à partir de l'existant, à réétancher le bassin, à refaire l'ensemble des installations de distribution d'eau qui avaient été relativement mal conçues, et à les mettre complètement aux normes, mais à utiliser au maximum ce bâtiment existant.
Et je suis mécontente parce que ça fait partie aussi de, voilà, donc du patrimoine que l'on a, que j'ai envie de partager avec mes enfants et que... Et voilà, j'ai pas envie de ne pas aller à la Jonction cet été. Sur la piscine de la Jonction, les choses sont claires. Le conseil de quartier concerné n'a pas été saisi, n'a pas pu donner d'avis, puisque quand on a d'abord jamais eu l'occasion d'en parler vraiment, et quand par accident on a eu l'occasion d'en parler, tout était réglé, tout était bouclé, tout était ficelé. On ferme cette piscine, ce lieu un peu mythique, 50 ans d'histoire. Il y a beaucoup de générations ici, de générations de Neversois qui ne sont pas d'accord. On ne ferme pas un service public comme ça, du jour au lendemain, sans au moins un minimum de concertation. Un sujet comme la fermeture de la Jonction, ou en tout cas l'aménagement du quartier, il me semble que ces sujets-là sont des sujets qui auraient dû être transmis à toutes ces instances de démocratie participative, conseil des sages, conseil de quartier et conseil local du développement durable. Il a fallu finalement l'action d'AOC, l'action d'autres personnes pour que, effectivement, la fermeture de la Jonction fasse l'objet d'un débat en conseil municipal au mois de mai. Tout ça, ça fait partie de l'histoire du canal, ça fait partie de l'histoire de la Jonction, ça fait partie de l'histoire des Neversois, et il faut être totalement amnésique, comme le sont les gens du château, et dénuer toute sensibilité pour oublier, pour avoir oublié ça. Si la tentation de baignade persiste en cas de forte chaleur, eh bien les organisateurs municipaux ont tout prévu. Douches, brumisateurs, eau potable seront accessibles au public du 3 juillet au 14 août sur la plage de la Loire. Bonnes vacances.